Ouais, Kiki, j'allais dire Marvin ou Kiki. Niveau vestimentaire ou quoi, quand on fait une petite erreur, tout de suite on est catalogué, tout de suite on se fait avoir. J'ai ce statut-là, bah je suis flatté. J'aurais aimé avoir un autre statut. Ah, il y a une paire de mecs qui ont tué les oiseaux là. Et... ça, c'est moi ça. Je dois être dedans. This is hot. Marvin. Marvin. Bon, je pense que je peux en faire partie, moi. Rio. Et je vais dire Idrissa parce qu'il en a fait une en début de saison, là, où bah, il a essayé de tirer, mais il est tombé. Donc, ça restera toujours, donc je suis obligé de le citer. Il rigole tout le temps, même quand il encaisse des buts, il rigole. Yeah. Je vais dire Marco. Parce que Marco ne rit pas beaucoup, mais quand il rit, ça veut dire que c'est très rigolo. Ouh là là. Moi. L'anglais, Djibril. Parce que à part yes ou no, je pense qu'il ne sait rien dire d'autre. Moi. Mais non, je rigole. Mais non, je sais pas. Il y en avait plus avant quand même. Je trouve que, attention, ça faisait... Je te dirais, bon, il y a encore Rio qui essaye de se mettre un peu et de s'habiller un peu, mais je dirais Rio ou Vincent. Simon Kerr. Et Salomon Kalou, il est un peu bizarre avec ses tenues quand il arrive tigre, serpent, on ne sait pas ce qu'il met. Ouais, mais faudra lui dire d'arrêter. Ah, il y a quelques-uns quand même. Il y a Simon, des fois, il y a des petits trucs avec des couronnes ou quoi, des choses un petit peu suspectes. Toujours en noir, donc... Simon. Ah bah le tatouage, ouais, c'est lui. Bah, il en a partout, je sais pas si... À part sur les jambes, mais je pense que s'il en fait un sur les jambes, il va pas durer longtemps avec les coups qu'il met. Oh, je dirais entre Sou et Divock. Bon, je pense qu'ils chambraient à un moment donné, Sou et Divock avec leur couple. Hein, avec, ils essayaient de faire des traits, ils essayaient de faire... Donc je dirais un des deux. Là. Là, je pense que je suis sur le podium. On peut se taper. Qui m'avait battu la dernière fois? Parce qu'on avait fait un, j'en avais fait un pour mon anniversaire aussi. Ouais, je pense qu'il y a moi et Nolan. Bah, c'est pas moi parce que j'ai pas gagné aux cartes. Mais j'ai gagné à la F1. La F1, c'est plus important. Donc, on va dire moi. Bon, la bonne bouffe, y a moi et Steve. Petit clin d'œil à Steve et Lana. Parce que bon, quand on fait des petits repas, des petits rassemblements, il a du mal à se décoller du bar, il a du mal à rentrer chez lui. Donc voilà, petite pensée à mon ami. Pape soirée. Bon, Rio, je crois. Ah, Rio. Rio, oh. Rio, Simon. Ouais. Rio, Simon. Simon. Qui c'est qui a le tweet? Bref. Peut-être Rio. Ouais, ou sinon on va mettre Rio. Ouais, Rio, parce qu'il est, il est assez présent quand même dans tout ce qui est communication, réseaux sociaux. Ouais, il y a soit Liomete et Divock Origuier. Divock. Divock, je dirais Divock et Meite. Parce que c'est un concours, hein. Ils font un concours entre les deux. Ils ont la même coiffure déjà, donc du coup, ils sont tout le temps en train de se prendre en photo parce que voilà, ils se... Ben, c'est de leur âge. Hein. Divock. Tous les jours. Every day. Selfie? Before training, after training, before game, after game. No, I don't make selfie. Ils se mettent torche nu comme ça, tac, selfie, Snapchat.